Aujourd'hui, des tournois ou masrot. Nous avons vu hier que Joseph avait institué, quand il a donné les terres aux cultivateurs, il leur a dit, vous allez travailler la terre, vous donnerez le cinquième à Pharaon. Le cinquième à Pharaon. Mais la Torah dit, quand le cultivateur a moissonné, a récolté, quand il a fini de tous les travaux d'agriculture, il a mis en tas sa récolte. Alors en ce moment, mitchayev betrumot ma'asrot. À ce moment-ci, il est obligé de prélever les trumot, le prélèvement, ma'asrot et la dîme. M'explique. La terouma, c'est, les hachamim ont dit, il y a trois mesures pour la terouma. Il y a Aïn Yafa, Aïn Benonit, Aïn Ra'a. Aïn Yafa, c'est donner un quarantième, c'est-à-dire 2,5% de ce qu'il a récolté. Ça, c'est donner de bon oeil au Kohen. Aïn Benonit, c'est un cinquantième, 2%. 2%. Aïn Ra'a, c'est un soixantième. Quand il donne avec Aïn Ra'a de mauvais oeil, c'est un soixantième, c'est-à-dire un 3 sur 3. C'est ça, 3%. Moins de 1%. Voilà. Un soixantième. 1,6.